En 2006, on a quitté Gorin, Ramecroix, près de Tournai, pour Éhour, un petit village écologique perché dans la montagne. On habitait à côté de la plus grosse cimenterie d'Europe, la CCB, et la cimenterie avait décidé de brûler des déchets toxiques et dangereux comme combustible à la place du pétrole qui était classique. Eh bien, on avait, nous, notre jardin où il y avait un peu de plomb et des choses comme ça. Et donc, on a quitté pour vouloir vivre une vie plus au naturel. Éhour, c'était un village qui était abandonné. Et il y a 30 ans, une communauté est venue s'y installer pour, voilà, pour restaurer les maisons. Et c'est vrai que bon, la communauté n'existe plus aujourd'hui, mais il est resté quand même un certain esprit, on va dire, écologique, un peu baba cool, comme diront les voisins dans les villages d'à côté, là. Son, what's to live for when you could see what I'd done? Staying out of motion in the light of day, I was hiding from the things that you had said. Donc, ici le système c'est qu'on prend, on note, puis à la fin du mois, Bernadette fait sa note et elle le met dans les boîtes aux lettres. Michel ? Ouais. Du coup, la bordure de mon lavabo. Là, je dois bien épaissir ici. Tu t'en mets pas de trop parce qu'il y a trois couches qui viennent au-dessus. Ouais, déjà là, je suis trop, couche. Je suis sûre, non ? Non, ça va, tu lises bien. On a fondé une association en 2007 dans des domaines sur la question de l'autonomie. J'ai commencé la formation d'un an, donc il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, se faire construire une maison, acheter une maison, c'est très très cher. Et on a la possibilité en fait de construire des maisons écologiques pour... avec peu d'argent, il suffit juste de savoir comment le faire. Donc voilà, je suis venu pour apprendre tout ça. Mais la plupart des stagiaires qui viennent faire la formation d'un an, c'est des gens qui se posent des questions et qui ont envie de revenir à l'essentiel, de vouloir se réapproprier des savoir-faire pratiques. Donc c'est ça qui les attire dans un premier temps, donc pouvoir toucher à l'éco-construction, au jardinage. Mais parfois le petit plus, c'est que justement ils savent qu'en faisant cette formation d'un an, ils auront cette possibilité de travailler leur projet. Nos deux filles sont à l'école d'Éhour, ils vivent dans un monde assez privilégié, mais pour moi c'est vachement important qu'ils puissent découvrir après ça au collège plein d'autres modes de vie. Qu'elles rencontrent des copains, des copines qui vivent d'autres choses. Mais voilà, j'aurais été heureuse en tout cas de leur offrir cette base-là et cette vie qu'elles ont aujourd'hui et qu'elles ont l'air d'apprécier énormément.